Et salut à tous et à tous, et donc on se retrouve pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Et oui, l'heure est grave. Puisque Kvyat a désormais 35 points d'avance et peut être titré dès cette course. 35 points d'avance sur nous et 25 points d'avance sur Jeannot Clouté. Donc l'heure est grave. Il va falloir absolument réagir sur cet avant-dernier round. Si on veut pas que Kvyat prenne le titre. Seuls les 5 premiers peuvent désormais gagner le titre. Donc clic-clac. Donc les deux Red Bull, composés de Jeannot Clouté et de moi-même, de Mehdi Ramouth et de Lucas Simu. Mais Lucas Simu un peu loin. Donc justement, Jeannot Clouté en pôle devant Lucas Simu et clic-clac. Va falloir faire quelque chose. Allez, rendez-vous au premier virage. Allez, on est concentré et on est déjà P13, hein, malgré qu'on soit fait sortir, rentrer dedans et tout ce que tu veux, mais évidemment les commissaires, hein, c'est toujours aussi con. Alors... Mais arrêtez de freiner comme des tardos! Oh, putain, Mehdi! Arrête de freiner comme un tardos, là! Enfin, je crois que c'est devant qu'ils ont freiné comme des dingues, là. Non, mais arrêtez de freiner comme des dingues comme ça! Voilà, vous avez pas des feux de détresse, les mecs, hein, freinez pas comme des tardos! Oh là là, sérieusement. Le mec il pile, hein. C'est très dangereux ce qu'ils font là. Évidemment, c'est moi qu'on dit ouais, Bah oui, évidemment, hein, les commissaires ils sont toujours aussi cons. Voilà, je m'énerve parce que les commissaires c'est vraiment des gros enculés. Ah, bref, allez, on est déjà troisième, quatrième peut-être, puisque Lucas Simu va passer. Oh, il se fait rentrer dedans par Aurélien Ménès, je crois, du coup, on a profité de cette situation pour prendre la troisième place. Allez. Du coup, on prend la troisième place. Voilà, on se calme, il n'y a rien qui passe. Allez, on passe sur Aurélien qui claque, justement. Voilà, et Jeannot Clouté qui est devant. On se bat aussi avec Jeannot Clouté, hein, faut pas l'oublier ça. Faut pas lui laisser une chance énorme non plus. Même si c'est notre coéquipier, d'ailleurs nos coéquipiers qui nous a fait des crasses. L'Australie par exemple. Et on prend le lead de ce Grand Prix, mais Jeannot Clouté qui va sûrement pounce, mais non, on laisse la place au cas où, mais non, il le fait pas, et du coup on reste premier, mais attention, hein, Jeannot Clouté qui maintient la pression derrière, hein, faut pas l'oublier qu'il est là, Jeannot Clouté. Allez, on a déjà mis 2 secondes à Jeannot, donc il aura pas le DRS déjà. Faut pas que Clic-Clac le dépasse. Ça serait bien que Clic-Clac qui reste P3 mais descende plus bas. Pour nous au championnat, bien sûr. Parce qu'à mon avis, Clic-Clac qui va regarder cette vidéo, il va dire non, 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 faites le contraire de ce qu'il dit. MDR. Oh. Ah là là. Allez. Dernier tour, on est très prudent dans ce dernier virage qui est toujours très capricieux. Allez, dernier tour, les mecs. Donc je vais baisser ce banane qui a décroché meilleur temps en course, mais bon, c'est pas... Ça, c'est pas le truc qui nous obsède le plus, on peut dire. Jeannot Clouté qui est toujours deuxième, c'est bon ça. Clic-clac P3, Lucas Simu 4, ça n'a pas changé depuis le tour précédent. Alors qu'on sort un peu large ici.
Allez, le dernier secteur. Ah, serait prudent, les mecs. C'est très prudent. Allez, prudent dans le virage et on va venir s'imposer ici en Chine. Ça, voilà, là on s'est bien saisi et on s'est remis back in the contention. Ça c'est bien. Allez. Donc Jeannot Clouté qui prend la deuxième place, Clic-Clac qui termine troisième. Lucas Simu 4, Aurélien Ménès 5. Jérôme D'Ambrosio. Aurélien Caron 6 devant Benoît Hurlin 7, Alex Leb 8, The Moderne 9 et Jean-Baptiste Banane 10. Bon, eh ben, la prochaine fois, ça sera la dernière course qui se déroulera sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez la hype pour cette dernière course, vraiment la dernière course qui va se jouer entre Clic-Clac, Jeannot Clouté et moi-même, 25 points d'écart. Je compte sur vous pour être là pour la Belgique. Allez, ciao, bye bye les amis.